Bon, allez, c'est pas tout ça, mais ça va pas se faire tout seul. On y a. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on clique déjà? Je sais déjà plus. Hop. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi soir, 1er décembre. Une régularité de fou, hein. En ce moment, on est une fois toutes les 3 semaines en termes de stream. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis dans un mi-cool parce que c'était une semaine de repos et mi-stress parce qu'en fait, lundi, je démarre un nouveau boulot. Comment? Bon, enfin, voilà, ça va se faire. Ce soir, le programme, on va défoncer. Enfin, non, défoncer. Non, j'ai pas envie de défoncer. On va. L'objectif. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, ça fait des années que je dois remplacer le système d'exploitation de la machine virtuelle sur laquelle se trouve notamment mon blog, l'Analytics, deux, trois autres sites très annexes à côté, et il y a aussi de la VoIP avec du Mumble, du TeamSpeak. C'est une Debian 8. Et j'avais pas juste envie de mettre à jour les Debian successives, parce que cette machine-là est un. Ça va être quoi le terme le plus adapté? Dépotoir? Ouais, on va le dire comme ça. Parce que en gros, c'est une machine qui est passée par une installation. Comment ça s'appelle? ISP config? Que j'ai viré, mais sauf qu'on a gardé les fichiers de configuration avec les installations de PHP un peu bizarres, les chemins des VHost et tout le tintouin. Donc voilà, en gros, Debian 8, c'est sorti quand? Cette machine-là, elle est passée par Debian 6, Debian 7, Debian 8. Donc en gros, en plus, elle a même subi la migration systemd. C'est un foutoir. Historiquement, voilà, elle a beaucoup trop d'âge, il y a du bordel dans tous les coins, mal rangé, avec des utilisateurs, des vieux backups créés à la main, il n'y a jamais eu de ménage de fait correctement. Donc l'idée c'est de faire table rase et de passer sur une nouvelle bécane. Coucou! Coucou Or, comment ça va? J'avais commencé le boulot il y a pratiquement. Quand est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que j'ai fait ça? C'est peut-être le log Terraform, le log de Git qui va me le dire parce que je l'ai fait via Terraform au mois de février. Vous voyez, hein, je suis très motivé. Au mois de février, j'avais commencé à déployer une Rocky Linux 9, une nouvelle machine à côté sur le Proxmox qui est en Allemagne, chez Etzner. Et j'avais commencé à faire les bases de données. J'avais commencé par les bases de données, donc j'avais installé MariaDB, un 10.5 je crois. J'avais importé toutes les bases qui m'intéressaient dans cette nouvelle instance. J'avais pointé les sites web dessus. Ça marchait très bien. Mais je m'étais arrêté là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au début, je l'ai déployé qu'en IPv6, parce que je voulais pas gaspiller mes IPv4, et que j'étais susceptible d'en avoir besoin ailleurs. Sauf que là, maintenant que je vais terminer la migration, j'ai besoin de rajouter l'IPv4. J'ai déjà essayé une fois sur une autre machine que j'avais déployée encore à côté, le faire en 2 temps. Ça s'était pas bien passé. Donc je m'étais arrêté là, j'avais un peu abandonné le sujet, j'étais passé à plein d'autres trucs et quasiment rien du tout en fait. Hein. En tout cas, ce qui concerne cette plateforme-là, j'ai complètement laissé en l'état et j'ai lâché le sujet. Mais là, à un moment donné, c'est plus possible. Et puis en plus, on voit les versions de PHP se succéder. Je commence à avoir des problèmes. Là, j'ai des plugins qui veulent plus se mettre à jour sur le WordPress parce que, parce que les prérequis sont pas bons. Donc c'est un peu pénible. Comment va notre ex-collègue? Bon, écoute, je suis rentré hier soir peinard. Je me suis fait, c'est quoi, peut-être, le premier épisode de Science Étonnante sur l'accélération de l'expansion de l'univers, et après je suis allé me coucher.
Moi, j'ai des trucs bizarres des fois comme ça pour me terminer une soirée. Bon, voilà. C'est pas le genre de truc que tout le monde fait. Après, comme je disais, juste avant que tu arrives, voilà, je suis dans un mi-tranquille parce que bon, c'est une semaine de relâche et un petit peu d'excitation slash stress pour le nouveau boulot. On verra bien comment ça se passe. Donc voilà. Donc pour revenir au sujet, cette machine-là, alors la particularité de la VM, c'est que je l'ai déployée via Terraform et donc la configuration ce réseau s'est faite avec Cloud Init. Et donc sur le papier, on est censé continuer d'utiliser ce setup-là pour toucher à la configuration réseau. Sinon, ça m'oblige à faire des choses à la main, ce qui me plaît pas trop. J'ai envie de garder l'aspect Terraform. Par chance, comme ça remonte au mois de février, j'avais complètement zappé. J'ai retrouvé le fichier où j'avais tous les credentials. J'avais bien stocké le TF state sur Minio. Minayo, je sais plus comment on prononce. Donc, j'ai réussi à retrouver le. Et j'avais commit tout ça à droite à gauche. Enfin, sur mon Gitty. Donc, j'ai pu retrouver tout. Donc, on va pouvoir repartir un peu de là, peut-être. Enfin, j'espère. On va voir un peu comment ça se passe. Et pour ceux qui m'ont pas suivi sur Twitter, faut que je vous raconte parce que ça a failli pas être le sujet de ce soir à la dernière minute. Parce que j'ai peur de rien et que je suis peut-être un peu con. Alors déjà, j'ai découvert un truc, c'est que j'ai essayé de me connecter à la machine. Mais en fait, bah du coup, depuis le mois de février, j'ai changé de PC entre-temps et j'avais jamais essayé de m'y connecter. Et j'ai découvert que j'arrivais pas à me connecter dessus. Et ça me mettait un network unreachable, comme si j'avais pas de réseau dans WSL. Il s'avère que non, en fait, comme je disais, la machine n'a que de l'IPv6, et pour une raison que j'ignore, si je vous partage le bureau, j'ai partagé le lien, mais c'est pas grave, transition, voilà, normalement vous devriez voir ça dans 2-3 secondes. Il s'avère que nous sommes en 2023 et que quand Microsoft a sorti la version 2 de WSL, eh bien l'IPv6 ne fonctionne plus. Ça fonctionne en WSL 1. Le problème c'est qu'en WSL 1, on est dans un mode un peu chelou, hybride. C'est ce que j'avais sur mon ancienne installation, notamment de Windows 10. Et ça, alors c'est bien, ça veut dire que ça va fonctionner, ça démarre un peu plus vite même que le WSL 2. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont pas faisables avec le WSL 1, parce que dans le WSL 1, on fonctionne pas avec un vrai noyau. Alors que dans le WSL 2, oui. Et du coup, c'est en début de semaine, j'ai pu m'amuser un petit peu avec Docker, directement dans le WSL 2, donc sans devoir installer Docker Desktop, qui en plus maintenant est payant sous Windows, donc ça m'intéressait pas du tout. Voilà, donc déjà il a fallu que je commence par trouver un contournement pour dire ok, il faut que je me connecte à une machine qui a que de l'IPv6, sachant que je ne supporte pas IPv6 dans le WSL 2. Au final, j'ai fait au plus simple, j'ai dit ok, je me connecte à une autre machine, je rebondis et coucou, ça marche. Et donc là, je disais que le sujet a failli changer parce que bah, j'ai décidé de mettre à jour la machine il y a 1 h 30. Voilà, donc j'ai lancé un DNF update, je l'avais pas fait depuis plusieurs mois déjà, et tout s'est bien passé, hein. Il y a eu quasiment 400 paquets. Je redémarre la machine, et là, après le redémarrage, j'arrive pas à me reconnecter dessus. Pourquoi pas? C'est un peu bizarre. Je ping, donc déjà, il y a quand même un bout de réseau, donc c'est pas non plus complètement pété. Je regarde la console. La console me mettait des messages comme quoi ça avait bien démarré, et que le MariaDB était démarré, que le SSH était démarré comme il faut, mais il n'y a rien qui marchait. Je n'arrivais plus à me connecter, je me prenais des c'est Forbidden ou un truc comme ça, enfin voilà, un truc un peu chelou. Et un Nmap me disait que les ports étaient filtrés. Je dis bon ok, donc il y a un bout de firewall entre les deux, mais je comprends pas pourquoi, parce que j'ai rien touché. Et ça marchait avant que je redémarre. Donc c'est a priori quelque chose qui s'est produit à cause des mises à jour. Donc déjà ça se passait au niveau du Rocky Linux. J'ai cherché un petit peu, au début je dis ok, il y a peut-être eu un délire. Faut savoir que la machine sous Rocky Linux, donc Red Hat, on a toujours SE Linux, qui est un module de sécurité avancé pour le système.
ou du coup qui impose que un processus n'a pas le droit d'aller manipuler des fichiers n'importe où, n'a pas le droit d'ouvrir n'importe quel port, etc. Donc il y a des règles en place, notamment comme moi le SSH il n'est pas sur le port 22, il est sur un autre port, j'avais dû modifier la configuration SE Linux pour rajouter le port en question. Pour MariaDB, c'était inclus, la règle était inclue dans les paquets, donc ça a rajouté automatiquement les règles nécessaires pour le service MariaDB. Donc, ça, en fait, dans la plupart des paquets qui ont besoin de faire ce genre de choses, normalement pour Red Hat, et donc Rocky et compagnie, c'est inclus dans les paquets, donc c'est peinard. Donc c'était pas un problème de SE Linux. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé en plus dans l'historique des mises à jour, il n'y avait rien de transcendant. Donc là on voit, alors j'arrive pas à remonter plus haut dans l'historique de la console, mais je me suis lancé un petit TCP dump pour dire ok bon je vais quand même tenter pour voir ce qui se passe, après tout c'est filtré. J'ai tenté un SSH depuis la machine sur laquelle je me connecte, donc Vox, hein, donc c'est la machine historique, hein, c'est celle sur laquelle il y a mon blog actuellement, c'est le fameux Debian qui lui a IPv4 et IPv6, donc j'ai pu me connecter dessus, et là j'ai bien vu arriver le paquet. Il n'y a pas eu de réponse, forcément, puisque ça marchait pas. Je dis, ok, donc c'est bien au niveau de la machine, il y a quelque chose en local dans Rocky, dans mon installation et dans le truc Rocky Linux 9, et sur le coup, alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris FirewallD, pour moi, il n'y avait pas de règle, il n'y avait pas de blocage, ou après, j'ai mal lu, j'ai tenté aussi avec de l'IP table à l'ancienne, je voyais rien, il n'y avait pas de règle, ça me paraissait bizarre. J'ai désactivé FirewallD et là ça a marché. Alors comme je gère le firewall au niveau de Proxmox, voilà, j'ai pas trouvé d'intérêt supplémentaire, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens pas l'avoir éteint ou désactivé dans le passé, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il est venu me. Comment ? Il est venu me faire chier. Et là, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que je vois deux. Remove multi-user target wants firewall machin Fedora project firewall day. Ouh, d'accord, ok, donc je comprends mieux. C'est qu'il y a peut-être un truc qui a été rajouté par-dessus. Oula! Oulala, oulala. Ok, donc il y a quel. Alors ça, c'est peut-être un des premiers effets de bord du fait qu'ils sont obligés de bricoler pour essayer de garder la compatibilité avec. Avec Red Hat depuis qu'ils ont fermé les sources cet été, hein, les fumiers. Ok, d'accord. Bon, c'est bizarre, mais bon, bref, voilà. Donc j'ai trouvé la solution, qu'on va quand même pouvoir procéder ce soir, maintenant. Donc j'ai réussi à me connecter, voilà, je suis connecté dessus, coucou. Je crois que j'ai toujours pas, hein, il n'y a pas LSB Release là-dessus, ouais. Voilà, donc on est sur du Rocky Linux 9.3, donc elle est bien à jour, il n'y a pas de souci. Autant à jour qu'elle puisse être. Et donc on va pouvoir essayer de s'attaquer à cette histoire d'IPv4. Alors l'IP, je la connais déjà, hein, parce que j'avais tenté de l'ajouter une première fois, donc je m'étais déjà préparé l'adresse IP. J'avais tenté de modifier la configuration Terraform et je m'étais rajouté une variable au niveau du code. Donc c'est ce que je vais refaire ici. J'ai mon code Terraform, j'ai tout ce qui va. Vu que ça marchait pas bien, je pense que je vais devoir mettre à jour tous les providers possibles et imaginables dans ce code-là, parce qu'il date du mois de février, il y a quand même un peu de mise à jour depuis. Qu'est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ? Qu'est-ce que j'ai raté? À quoi ça correspond? C'était pas un problème de. Ah, tu parles d'adresse IP, c'est ça? 1.2.3.4. On va mettre les points dans ce cas-là pour que la blague soit valide. Et donc, ouais, l'idée, voilà, ça va être de mettre à jour ce truc-là. On va voir comment ça se passe. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer. Hein. Hop, allez, on va se rajouter la variable dans le code. Là, j'ai une variable IPv6. J'avais déjà fait ça pour l'IPv6, donc je prépare l'équivalent IPv4. Alors, j'oublie pas les accolades. Non, accolade, pitié, accolade. Voilà. Hop.
on va aller modifier. Qu'est-ce que j'ai dans le Terraform que je regarde. Je vais regarder un peu à côté avant de. Je peux faire une nouvelle fenêtre là. Hop. Ouais, on va faire ça. Ça, je vais aller vérifier quand même au cas où. Qu'il n'y a rien de tendancieux. Normalement, non. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir tout dans le. Comment. Home 1, 666, Git, hop, Tatooine, Terraform. Ouais, il y a juste du name server, l'adresse IP, le gabarit avec le nombre de CPU, la RAM, le disque et la clé SSH pour le déploiement. Ok. Donc on peut y aller. Où est-ce que je suis? Là. Hop, rien de paniquant. Donc du coup, il y a une IPv6 adresse, donc on va rajouter l'IPv4 adresse. Et donc on a dit 5.9.230.203. Donc ça c'est fait, et après c'est dans le nom de la machine, vous voyez. En fait, quand on. Ça, c'est du Cloud Init et le provider Proxmox. Alors, est-ce qu'on va se trouver une. Hop là. Alors, ça date un petit peu, mais. Si on prend dans la doc. Ipconfig 0. Voilà, on est censé mettre. Ah, je peux mettre un ipconfig 1 pour avoir de l'adresse IP. Alors peut-être que il faudrait que je passe par ipconfig 1 plutôt que de modifier ipconfig 2. Parce qu'après, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je peux mettre. Les IP, IPv4, IPv6, mais j'ai du mal à savoir si je peux mettre les deux dedans ou pas. C'est pas toujours évident. Et en fait, la première fois, j'avais tenté de tout bourrer dedans comme un cochon et c'était pas passé. Du coup, je me demande si je dois passer par ipconfig 1. Ça, je vais le fermer. Hop, voilà. Ok, pas évident. Et le problème, c'est qu'on n'a pas. Il n'y a pas de. Les exemples sont particulièrement peu. La documentation est vraiment minimaliste. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur le. Comment. Sur les possibilités de chaque variable, il donne toute la liste des trucs qui sont supportés, mais c'est pas. C'est pas la folie. Puis en plus, là, on voit carrément que l'attribut ne fonctionne qu'avec l'IPv4. Ça, c'est génial. Quand on déploie l'agent, normalement, on est censé pouvoir. Bon, voilà, maintenant, ça, je peux le zinguer. Quand on a l'agent qui est activé, on voit les adresses IP qui apparaissent là. Moi, j'ai pas l'IPv4 encore. Donc voilà, j'arrive pas à savoir si je dois mettre ça en ipconfig 1. On va peut-être le faire comme ça, en fait. Hein. Que de m'emmerder à faire parce que c'est des configs d'adresse IP et a priori ça bouge pas avec donc on va faire var.ipv4 adresse, on se plante pas et on met bien un /32, non pas /32 d'ailleurs, c'est je crois que c'est du /29 que j'ai. Comment je l'ai configuré?
tac, tac, tac. IP. J'ai pas de masque. Pourquoi je vois pas le masque là? Là, je l'ai, c'est slash 64, et là, je l'ai pas. Pire 168 machin, ouais, d'accord. Ah, elle est originale, celle-là. Ouais, slash 29, voilà. C'est bien ça. Donc, on va mettre un slash 29. La gateway égale. Alors, on va éviter le. J'avais dit. Hop, la gateway. Ah, c'est celle-là. Oui, du coup, ça, c'est l'adresse IP. Alors, ça, c'est la particularité du. Oula. Non, non. Hop, pitié. Merci. Voilà. En fait, je suis en mode routé, donc du coup, la passerelle IPv4 de mes IP pour les VM, c'est l'IP de la machine physique. Du coup. Alors, je vais déjà voir s'il me gueule pas dessus. Donc déjà, a priori, j'ai pas fait de bêtises sur le formatage. Qu'est-ce qu'il va me dire au niveau de Proxmox, au niveau du truc? Ah, vous voyez, il veut détruire la VM. Ah ouais, carrément, lui, comme ça. Il veut détruire la VM juste parce que j'ai changé l'IP, j'ai rajouté une IP. Oui, donc c'est un petit peu. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que je m'étais arrêté là. Hein. On va pas se mentir. Alors, vu que ça me plaît pas trop, on va tenter de réinitialiser. On va mettre à jour le provider, parce que du coup, le provider, lui, il y a eu quelques releases depuis. Où est-ce qu'on. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? C'est vrai que depuis qu'ils ont changé l'interface, c'est infernal. Les releases sont là. Donc, on a le 2.9.14. Et moi, j'utilise. J'ai mis le 2.9.9. Ok, donc on va tenter le 14. Le provider en VH, je crois qu'on est au 0.30. Au 0.35, d'accord. Donc on va faire ça. Ensuite, on a un terraform.lock, du coup. Je vais le virer. Je vais refaire un terraform init, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, on va faire un. Ok, donc c'est tirer upgrade pour forcer le truc. Donc on va forcer le truc. Voilà. On voit que le Terraform Proxmox, il est toujours auto-signé. Ok. Alors, est-ce que ça a amélioré les choses? User Terraform at PVE has valid credential but cannot retrieve user list. Check privilege separation of API token. J'ai fait quoi? Bucket S3, skip credential validation true. Ah, c'est-à-dire qu'il y a encore des. Il y a encore des trucs à. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? On va aller là-dedans. Oula, moi ce qui me fait peur, c'est quand c'est ouvert depuis le 10 février que c'est encore ouvert. Ok. Donc au mois de février, a priori, il y avait un problème avec la mise à jour. D'accord. Ok. Ah. D'accord.
là il a pas aimé. Il y a un problème avec la séparation des privilèges. Ah, mais c'est pas le délire qu'on a eu justement quand on avait fait le test, quand on avait fait le test du micro-serveur d'ailleurs. Donc, mais c'est toujours pas réglé depuis. Ok, d'accord. Donc les mecs, ils ont toujours le problème. Donc on va être limité au. Bon ben là on va se limiter au Terraform de 9.11. Sauf que j'ai peur que ça change pas grand chose en fait. Si je fais ça, il va aimer. Il est passé. Ouais, ça change rien, il veut quand même le dégager. Donc c'est un petit peu chaud. C'est quoi ça? Non, là c'est encore autre chose. Sur une vieille version du plugin. Tac 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 tac. Encore accès à l'API. Gna gna gna. Ok. Non, bon. Bon. Ah bah si. ipconfigx recréer de VM. Alors pourquoi c'est fermé? Cloud init parameter can be changed without so why force new is set to be true for them au mois de mars. Ah merde. Bon alors est-ce que j'ai pas envie de débugger des trucs liés à l'API ce soir, je sens que ça va se finir en modification à la main et je traiterai le problème de l'API plus tard parce que ça va me gaver. Donc en gros, c'est soit je mets à jour, donc effectivement, a priori, si je dis bien, si je comprends bien, donc ils ont viré ils ont viré le force new pour les configurations d'IP. Donc c'est une merge request 173 et du coup si je retourne dans les releases, est-ce que dans la release on a le truc remove force you from... bah oui bah voilà. Oh là 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 là. Donc du coup ouais j'ai vraiment la flemme, je sens que on va être bon pour enfin on va être bon. Je vais aller le faire à la main. Alors déjà je vais commencer par faire un truc. On va se créer un petit backup supplémentaire. Justement parce que je l'ai mis à jour ce matin, la bécane. Je garde une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, je garde une semaine de backup. Tant que ça. Bon, en même temps, pour l'instant, ça fait que 5 gigas. Enfin, 2 gigas 5. Storage et snare, mode snapshot, ZSTD, ouais. Not guest name. Backup machin, possible template. Oh, let's go, hein. Allez, backup. Après, même pour le. Quoi. Vous voyez, on est sur des vitesses d'écriture qui sont. On est sur un partage réseau, hein.
Parce que j'envoie ça sur une storage box en NFS, je crois, ou un, non, en SMB, en CIFS, et ça tabasse plus de 100 mégaoctets par seconde. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Voilà, il a fini le backup. Donc là, on va aller se modifier la configuration Cloud Init à la main. Je vais éteindre la machine avant. Donc ça va péter le bloc, ça va péter tout ça, hein, mais tant pis. J'éteins. On a la configuration qui est là. Alors par contre, là, il m'a mis ipconfig net 0. Et c'est là où j'ai du mal à savoir. Oui, c'est-à-dire que là, je peux pas rajouter de nouveaux trucs. Ce que j'ai balancé là, c'est le bon format. Parce qu'en fait, en gros, si je sais pas ce qui se passe en rajoutant. Quand on rajoute un ipconfig 1, est-ce qu'il est concatène ou est-ce qu'il rajoute des trucs? Et là, vous voyez, je peux pas modifier la configuration qui a été créée. J'ai pas d'option pour rajouter une nouvelle clé. Enfin, ouais, j'ai pas d'option pour rajouter une nouvelle clé. C'est un petit peu bizarre, je sais pas pourquoi. Ah bah, je peux mettre une IPv4 là. Je peux forcer le truc là comme ça. Donc ça a l'air supporté en fait. Bon bah, on va tenter ce qu'on a fait avec le. Voilà, la gateway. On fait ça. Et donc là, normalement, avec un peu de chance. On démarre, on va aller sur la console, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'il dit. J'ai pas compris de les lire, j'ai pas fait gaffe s'il avait démarré sur le dernier kernel. Bon. Cloud Init a bien vu les deux IP, je viens de le voir passer. Ok. Ça a l'air d'avoir démarré. Bon. Ok. Alors, on va quand même tenter. Alors déjà, on va voir un truc. Navigateur. La base de données debout. La base de données debout, elle répond. Est-ce que si on tente de se reconnecter en SSH, je me suis pris un strict host checking qui est pas passé. Ça, c'est surprenant. Ok. Mais pourtant, j'ai pas d'IPv4 là-dessus, donc je suis obligé de mettre un. J'ai que de l'IPv6. J'ai un petit bout de config, non? Alors, du coup, si enfin, c'est quoi? C'est tirer O strict host. Checking, c'est ça, un truc comme ça. Également. Oh. Oula! Oh, je m'étonne. Je m'en sers jamais et pourtant c'est passé. Ok, alors du coup. J'ai de l'IPv4. J'ai de l'IPv6. Ok. Si je force en IPv4. J'ai de l'IPv4, j'ai de l'IPv6. Oh merde, c'est passé du premier coup cette fois. Ok. Mais j'ai dû le faire à la main. Et voilà. Du coup. Est-ce que pour la blague, je relance mon Terraform plan pour voir ce qu'il me dit maintenant? Pour voir un peu comment la configuration a changé.
Est-ce que du coup c'est l'IPconfig 0 qui a été modifié ou est-ce qu'il va garder l'IPconfig 1? Donc vous voyez, donc l'IPconfig 0 a changé. Donc en fait, il faudrait que je mette à jour IPconfig 0 à la place de. Oh, ben en fait, si ça se trouve, on va pouvoir réimporter. Alors non, c'est pas là. On va pouvoir réimporter le bordel. On va pouvoir se refaire le truc. C'est-à-dire qu'en gros, là, je prends ça. Je fais ça. Là, je fais ça. Ça, comme ça. Ça, je supprime, du coup, parce que j'en ai plus besoin. Là, je fais ça. Il avait bien tenté de mettre l'IP, la gateway. Ok. Et donc là, si je refais le plan. Est-ce qu'il va réussir le truc? Oh, le génie. Ok. Ok. Par contre, au niveau du plan, il a dit, voilà, il y a des changements qui ont été faits en dehors de Terraform. Ouais. Donc, là, si je refais un plan, est-ce qu'il va prendre le truc? Il va me le refaire? Ou est-ce qu'il va. Parce que ça, j'ai déjà eu le tour avec des versions récentes de Terraform. En fait, le Terraform plan, techniquement. Ouais, non, il me remet les trucs. Bon, on va faire un refresh Sony, c'est ça? Il nous dit ça, hein? Terraform, apply. Ah oui, d'accord. C'est apply-refresh only. Donc on va mettre à jour quoi? What? Je suis pas fou. Il y a bien 2P LY et là il me dit qu'il n'y en a qu'un. Wow. D'accord, pourquoi pas. Ok. This is a refresh only plan. Donc ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est juste pour rajouter des informations qui ont été changées, histoire de mettre à jour le plan. Et là, si je fais un plan, du coup, normalement, il va me dire qu'il n'y a plus rien. Là, il va me dire qu'il n'y a pas de changement. Parfait, il n'y a plus de message de quoi que ce soit. Oh, c'est bien. Oh, dis donc, ça se passe mieux que ce que je pensais. Du coup, j'ai même plus besoin de ça. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est au niveau du. Hop. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oula, c'est quoi ce bug? Non, c'est pas pratique ça. J'ai pas d'alias. Attends, j'ai fait quoi? Non, là, il n'y a pas d'alias. Je crée juste un IPsec. Là, j'ai Tatooine. J'ai que l'IPv6. Alors que typiquement, par exemple, pour Gallifrey ou pour Vox, j'ai les deux. Donc Tatooine. Là, si je fais add. Je ne sais pas pourquoi il essaye de me rajouter un truc. Invalide préfixe, quoi, qu'est-ce qu'il y a? 5.9. Ah mais non, je suis con. Voilà, c'est une IP. J'ai pas besoin du no match. Voilà, je suis un peu débile quand je m'y mets. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, suffit d'avoir ajouté l'IP là. Et si je force. Donc là, maintenant, je suis en IPv4. Est-ce que j'ai une map d'installer? Oh, non. Alors. Apt install nmap. Hop, on va faire ça. Le mot de passe. Et donc le. Ah mais non, c'est en local ça. Punaise, c'est pas le même mot de passe. Oh là là. Ouais, je sais, je sais, je sais. Faut que je refasse l'installation. Enfin, la clé pour. Y a un Docker, c'est du legacy, fait pas chier. Alors.
Alors, donc Nmap est installé. Donc, si je tente le 2269 sur l'adresse IP 203, donc là, normalement, je lui demande de tester. Ah oui, non, oui. Voilà, donc c'est bien open. Et par contre, le ping est censé marcher. Hein. Ça, t'es gentil, Coco, mais... Bah oui, ça marche. Bah alors, qu'est-ce qui me chie une pendule? Bon, par contre, on voit hein, Orange le vendredi soir vers l'Allemagne. Les pings, ils sont quand même assez affreux. Donc ça marche. Du coup, est-ce que au niveau de Terraform, j'ai pas vu hein. En fait, il m'a fait que l'adresse, il m'a fait que le changement de. Target HCloud Server. Ah oui, c'est commenté. D'accord, ok. Ok, donc il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Target. Target, c'est var. Hop. Point IPv4 adresse. Donc là, on va faire ça. Et en vrai, j'ai pas forcément besoin de mettre un TTL aussi bas, parce que j'ai pas prévu de changer d'IP de sitôt. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc actuellement j'ai fait comment j'ai fait mon compte? J'ai mis l'IP directement, d'accord, ok. Alors on va voir si les credentials pour OVH sont toujours bons. Après tout. Vous voyez, en fait, ça, peut-être dans... Alors, pas ce soir, hein, mais dans un autre épisode, le déploiement avec Terraform, là, j'ai fait tout le code complet pour Tatooine. On voit qu'il y a des noms en dur avec le nom Tatooine IPv4, etc. J'en ferai peut-être un module. Et comme ça, je pourrais déployer toutes les machines avec ce module au fur et à mesure. Il va falloir que je m'occupe de tous les problèmes que j'ai avec l'histoire de l'API, là, mais... Pour les plus observateurs aussi, il faut que je mette à jour le Proxmox. Donc on va voir. Ok. Et donc là, tout à l'heure, j'avais fait... Non, j'avais pas fait de... Non. Ah, c'est où? Ah, ça va être dans une des autres... Non, c'est pas ici. Là, je suis connecté, c'est pas ça. Non, vraiment pas. Ok, donc... Alors non, parce que je sais plus taper. Voilà. Alors, il faut que je zoome aussi parce que je pense pas... En fait, ça se trouve depuis tout à l'heure, c'est petit. Mais comme vous n'êtes pas beaucoup ce soir, il n'y a pas grand monde qui parle. Hop, du coup, je suis un peu le nez dans le guidon. On peut se permettre de zoomer. Alors, donc là, j'ai bien l'adresse IP qui remonte. Bon, bah, ma foi. On commence à être pas mal. Et bah ça, c'est fait. C'est moins pire que ce que je pensais, du coup. Alors, pourquoi il me dit que... J'ai fait quoi? Ouais, le HCL qui a été refait, d'accord. Ça, c'est normal. La mise à jour du provider. Ensuite, il y a eu quoi? La mise à jour du DNS, ouais. IPconfig 0, le rajout d'IPv4. Ouais, d'accord, bah en fait, c'est ça. Hop, voilà.
Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant que j'ai ça, ça veut dire que potentiellement, ici, en attendant que Microsoft apprenne à faire son boulot comme il faut. Je suis connecté. Je suis connecté, mais effectivement, après la mise à jour, il m'a changé les clés d'hôte. Ça, c'est chelou. Ou alors, en vrai, c'est parce que... Bah non, parce que je me suis connecté juste avant avec... Comment? Je me suis connecté juste avant. Je me suis dit... Je me suis déconnecté et après, je me suis pris une... Je me suis pris une cartouche en permission denied, là. Donc ouais, non, ça... Mais donc ça marche. Ça marche, ça marche. Donc j'ai plus besoin de ça. Voilà. Ça, on a fini. Donc je vais déconnecter. Ça, c'était pour la vérification. Voilà. Oh, c'était pour faire les tests, ok, donc j'ai plus besoin que de ma connexion SSH. Donc voilà. Ce qui veut dire que prochaines étapes, installer tout le nécessaire et migrer toutes les configurations pour un serveur web, tout simplement. Sur le papier, je veux faire ça avec Ansible. Dans la pratique, je n'ai absolument rien pour faire de l'installation sur des machines de type Red Hat avec du DNF, du Yum. Du coup, comment dire? J'ai pas spécialement envie de me lancer dans l'opération ce soir. Mais en gros, je peux vous parler un peu du programme. Alors en fait, j'avais fermé, mais j'aurais pu retourner parce que. Hop, voilà. Je veux garder le setup Nginx PHP-FPM, ce qui marche bien et que voilà, j'ai pas vraiment de raison. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on pourra voir la différence de fonctionnement entre une machine à base de Red Hat et une machine à base de Debian. On verra qu'il y a quand même des concepts qui sont particulièrement comment dire? Qui sont très différents d'un côté comme de l'autre. On va installer les mêmes logiciels, hein, il n'y a pas de souci, ce sera du PHP. 8 points. Ça va être. Je vais d'abord tenter d'avoir la même version de PHP que ce que j'ai actuellement, et je vais tenter d'installer en parallèle du PHP plus récent, et je vais monter petit à petit parce que je ne suis pas complètement sûr que ce qui reste. La base de WordPress, on l'a mis à jour il y a quelques mois, même si j'ai perdu la vidéo. On l'avait fait en live, ça s'était bien passé globalement malgré tout avec tous les problèmes que j'ai pu avoir liés à l'âge de la VM. Mais c'était passé, sauf que bah, j'ai quand même quelques bouts de code qui sont un peu custom et qui remontent quand même à Mathusalem, mais je suis pas complètement sûr que ça va passer comme il faut. Normalement, ça devrait, c'est pas de l'écriture de PHP très compliquée. Et j'ai quelques trucs comme ça où il faut que je garantisse que ça va fonctionner encore après la migration. Il y aura des configurations si je vais quand même repasser parce que si je vais dans c'est dans Sitenable voilà j'ai plus grand chose hein. J'ai mon comment j'ai le Matomo qu'il va falloir que je mette à jour aussi j'ai le blog de d'Arowan donc de Guillaume j'ai un truc qui s'appelle monitoring je sais pas ce que c'est Ah, ça va être le serveur status.
J'ai des gros doigts, c'est infernal. Bah oui, voilà, du coup. Voilà. Enfin, heureusement que je ne vous mets pas le son du bureau de Windows, c'est infernal. Toutes les 2 secondes, ça bip, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça, c'est le Nginx Status. Je sais même pas à quoi il sert. Je sais même pas s'il sert à quelque chose. Oh, y a rien en fait là. Il y a que dalle. Ok. Je sais même pas si c'est encore ce truc-là. Et celui-là, c'est un truc qui à l'époque était ce que je considérais comme le VHost par défaut, mais dans lequel il y a quelques outils qui sont rattachés au vieux forum de l'équipe qui est encore en ligne ailleurs, mais où les outils, comme les outils étaient liés notamment au serveur de jeu ou à des trucs annexes, historiquement c'était stocké sur le serveur, donc voilà, il y a des choses que j'ai encore à récupérer sur ce VHost-là, donc il faudra que je déplace tout, mais... Enfin, pour prendre la gueule du VHost, il y a des machins, le VARW blog machin web, ça c'est un héritage d'ISP config par exemple, dont je parlais tout à l'heure. J'ai envie de le dégager. Il y aura peut-être aussi des choses à revoir par rapport à la configuration. Voilà, comme je dis, ça fait des années, le Nginx que je le traîne, il a une configuration qui n'est pas forcément très, très à jour, très machin, etc. Voilà, les pages de maintenance, c'est des pages de maintenance ISP config, je pense qu'on va les revoir un peu comme il faut. Donc l'idée, ça va quand même être de faire quelque chose d'un peu... de rafraîchir un petit peu tout ça, voilà, de toute façon. Comment? Et peut-être même de l'améliorer pour essayer de... Comment? Pour essayer de renouveler un petit peu, de dégager un peu quelque chose d'un peu plus récent, d'améliorer un petit peu la sécurité quand même, parce que c'est pas, on n'est pas sur les, on est sur un truc un peu par défaut. Oh, vous voyez, hein, c'est du Debian 8 et j'avais activé le HTTP 2. À l'époque, j'avais dû installer une version alternative de Nginx avec un dépôt à part. Que j'ai dû désactiver parce que le truc n'existe plus depuis, évidemment. Comme pour les versions de PHP, comme pour. Voilà. Il y a plein de trucs qui fonctionnent plus en fait sur ce Debian 8 qu'il faut vraiment que je mette à la retraite. Hein. C'est juste plus possible. Et donc ouais, l'idée, donc, ça va être de déplacer ces configurations-là et de déplacer après le site web lui-même et de vérifier que ça fonctionne encore. Donc je sais pas, tiens, tout à l'heure j'ai fait un dig. Merde, sur... J'ai 0 en TTL? T'es sûr? C'est con, ça! C'est très très con! Et ça se passe comment, du coup? Définissez un nombre supérieur au 0, n'utilisez jamais 0 comme valeur de TTL. Ah, d'accord. Ok. Pitié, pitié, pitié. Non, on ne peut pas dégager. Bon, tant pis. Alors, c'est quoi ça? C'est ouf. N'utilisez jamais. Cette valeur ne fait en effet pas partie de la norme. Peut entraîner le rejet de vos informations DNS ou leur ignorance. Ah oui! Ah oui. Oh la vache. Ok. Est-ce que du coup... Domain... Ça va marcher ça? Oui, parce que j'étais connecté tout à l'heure. Ok, on va changer ça, on va mettre une vraie valeur. Parce que... et en vrai, il y a 1 milliard de TTL là-dedans qui sont à 0 par défaut. J'ai jamais rien fait, donc ils sont gentils, mais là, bah, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est OVH, quoi.
Donc les TT à la 0, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on va mettre des TTL pour être sûr de... Parce que là, on est à quoi? On n'a pas de TTL par 0. Par défaut, on est à 600. D'accord. Ok, bon, de toute façon, je vais faire ça déjà pour commencer. Puis on va modifier tout ça. Et puis, ce sera déjà pas mal. Non, TTL, c'est marqué par défaut. Alors pourquoi il m'envoie 0 au lieu de mettre 600? Alors là, si je m'amuse à modifier en mode textuel, là j'ai un $TTL à 600. Ah ouais, mais là j'ai rien. Donc si j'ai rien, il est censé prendre le dollar là. Alors pourquoi, quand je fais un dig, je prends une valeur à 0? Ah, d'accord. Ok. Donc c'est un délire avec un truc local encore. C'est quoi cette IP-là? Oula, dis donc, faut que je fasse attention à ça, moi encore. Merde. Tac tac tac. Vérifie qu'on fait pas de bêtises. IP calque NG option. Tirer de chèque, on s'en fout. Donc si je balance mon. Ok, d'accord. Ok. Broadcast machin. Host min, host max. Ouais, d'accord, donc il n'y a pas de conflit entre le. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça, le range par défaut de Docker, il rentre pas en conflit avec le. Ah mais du coup c'est un DNS local qui est fait par quoi? Par Hyper-V ou un truc comme ça? Ah ouais, d'accord, ok. Donc si je veux avoir un config. D'accord, donc du coup c'est pour ça que j'ai des zéros partout. Ouais, on verra bien. C'est pas plus choquant que ça pour l'instant. Je comprends mieux. Donc pour en revenir au sujet, oui. Alors, non, raté. On peut fermer ça du coup. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça, est-ce que ça marche encore? Ça a l'air. Téléphone. Et d'où qu'il est? Il est là. Il est là, il est là. Free OTP. Il est où? Je le vois pas. Matomo, il est là. 482, 924. Alors, 924. Ok. Donc oui, il y a encore une mise à jour. Mettre à jour automatiquement. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ah oui, voilà. Vous voyez, par exemple, le genre de problème que je me tape maintenant. En fait, je me tape des erreurs SSL. Et en fait, ces erreurs-là viennent du fait que le magasin de ma bécane est pas bon. Donc vraiment, c'est le genre de truc, je vous conseille pas de traîner trop longtemps. Vraiment, hein, ne traînez pas quand vous avez ce genre de changement, enfin ce genre d'installation qui arrive à expiration. Attendez pas trop longtemps. Là, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, bon bah il est toujours debout, il continue de voir des trucs, là on voit vendredi 1er décembre, 30 minutes, 21h37. Bon, ça a été un peu énervé par contre là, je sais pas ce qu'il a fait le machin, ça sent le robot quand même on dirait, mais quoique non, il dit visiteur de retour, Firefox, Linux, putain on est tombé sur un.
On est tombé sur un énervé, hein. Je sais pas ce qu'il cherchait, mais... Après, il était surtout sur des catégories. Non, il est tombé sur un vieil article. Ok, bon, on n'a pas trop compris le délire du gars. Ok, donc voilà. Oui, bon, ça, forcément, on s'est pas à jour. Après, qu'est-ce qui... Quand on regarde un peu, c'est quoi? C'est Inquisition. Acquisition, réseaux sociaux. Il n'y a que Twitter, mais il y a quoi comme configuration? Le rapport est hiérarchique? Non, on s'en fout. En même temps, il y a eu deux visites. Je sais même pas d'où sortent les liens. Ok. C'est pas grave. Voilà. De toute façon, en vrai, je sais même pas si je vais les finir par le garder. À une époque, c'était intéressant parce que bah déjà, je publiais régulièrement des articles sur le blog. Et ça valait le coup de suivre un petit peu, de voir les tendances, les sorties, etc. On est quand même à une époque où je publiais beaucoup. J'étais quand même arrivé au plus gros de l'activité. Si je regarde, si je le prends en mensuel, je crois, je vais faire ça. Appliquer. Si le graphe devrait les graphes devraient s'afficher, voilà. Voilà, si on remonte jusqu'à 2020, voilà, courant, même pas 2020, j'ai eu le droit sur tout le mois à 26 000 vues et voilà, sinon j'avais fait un pic à... Ah ouais, quand même, j'étais vraiment... Ok, il y avait vraiment de l'activité. Je publiais un peu plus d'un article tous les 6 mois. Celui-là, c'était... Décembre 2020? Il s'est passé quoi en décembre 2020? Ouais, non, alors c'est pas comme ça, mais... Eh, quoique, hein. Ah, ce serait ça? Ah ouais, d'accord. Donc c'est mon gros ma grosse gueulante contre les développeurs du firmware de la Livebox qui ont piqué ce truc-là à ce point-là. D'accord, ok. 20 000 vues l'article à lui tout seul. En un mois. Oh la violence. D'accord. C'est quoi la performance? Ah oui, parce qu'en plus le truc faisait la peur. Ouais, peut-être pas déconner non plus. Donc ouais, voilà, vous voyez, ce truc-là continue de tourner, je le regarde quasiment jamais. En vrai, on a deux possibilités. Soit je le remplace par un autre outil que j'ai déjà utilisé, aussi bien j'ai testé à titre personnel que professionnel. Il s'appelle GoAccess. Qui s'appelle GoAccess. Et qui lui se base sur les... Comment? Sur les journaux. Sur les journaux Nginx. Donc vous lui passez un fichier de log, access log, etc. Et il va vous lui passer. Alors si vous faites du formatage un peu custom de vos journaux, vous lui passez le formatage, il va le parser et ça va vous donner un... Comment? Voilà, un peu les graphes à la Matomo, mais directement à partir des fichiers de journaux. Ce qui est beaucoup plus brut, alors du coup, d'un côté, c'est intéressant parce que là, vous avez la totalité. Mais après, le découpage, notamment le filtrage des robots, etc., va pas être catégorisé pareil. L'avantage de ce truc-là, c'est que comme on se base sur les journaux, il n'y a pas de coucou, regardez, il y a du tracking, il a été bloqué. Donc là, par exemple, on a quoi je sais pas, non, juste Carbonade. Ok, bon, voilà. Il y a un petit peu de Twitter, mais ça, bon, c'est un classique. Et donc, vous êtes sûr de choper tous les visiteurs et pas seulement ceux qui n'ont pas bloqué Matomo quand ils viennent visiter le truc. Parce que un des problèmes des bloqueurs de. Comme il bloque origine, etc., c'est que ça va aller bloquer. Typiquement, si je vais sur mon blog, vous voyez, hop, il y a un petit 1, et quand on regarde, il y a un truc avec un 3 petits points, et donc si on va dans les journaux, on rafraîchit la page, donc là il rafraîchit, on voit qu'il a bloqué
une image de type beacon, et en fait, effectivement, ça charge un set.php action égale name. C'est censé être une image, mais c'est un .php. Donc voilà, et on voit que c'est sur le domaine analytics. Donc c'est bien le tracker de Batomo qui... Comment ? Qui a été bloqué. Et donc forcément, une fois que ça, si ça s'est bloqué, bah vous n'avez pas la visite d'enregistrer. Donc voilà. Donc il y aura peut-être ce truc-là, mais sauf que par définition, GoAccess, c'est d'abord un outil en ligne de commande qu'on lance et qui ensuite permet de générer des rapports. Du coup, je me tâte un peu. Il y a un mode temps réel, mais je sais pas si c'est pratique ou pas. Il y a moyen de le lancer en mode serveur. Il y aura peut-être un peu de boulot si je veux avoir à la fois une visualisation temps réel et comment ? Et un mode un peu plus ce que j'avais fait au boulot, notamment où j'avais fait un mode planifié où je générais un rapport par jour à partir du journal une fois que la rotation elle avait été faite. Donc c'est un truc qu'on pourra éventuellement regarder. Je sais qu'il y a d'autres alternatives aussi à Matomo plus légères qui seraient peut-être plus adaptées par rapport au peu de besoins que j'ai. J'ai oublié le nom du truc. Il faudrait que je redemande à Julien Homais qui en avait parlé sur Twitter, je crois. Il n'est pas le seul, hein. J'avais vu passer d'autres alternatives comme ça, plus légères que Matomo. Après... Honnêtement, vu le trafic que j'ai, le Matomo, il me bouffe aucune ressource. Mais on a vu que générer les rapports qui sont un peu anciens, bon là, maintenant qu'ils ont été générés, quand on tabasse le truc, on fait ça, et encore, même là, hein, le graph, il met un peu de temps à charger. Mais je sais, typiquement, par exemple, sur l'ancien serveur chez OVH, ça arrivait très régulièrement que le graph, il tombe en erreur, parce que le temps de collecter, générer les données, la base de données, elle pédalait dans la smoule très très fort, et du coup, il fallait que je rafraîchisse la page plusieurs fois pour avoir la fin de la génération du rapport. Donc, peut-être qu'un outil plus léger sera sympa, et c'est peut-être quelque chose qu'on fera en live. De toute façon, j'ai quand même envie de vous montrer... je suis pas motivé pour ce soir, mais comme déjà, de toute façon, il faut que je fasse l'installation de tous les packages. Je pense qu'on fera la migration du blog en live... peut-être même la semaine prochaine, parce que de toute façon, là maintenant, normalement, j'ai rien de prévu les vendredis soirs jusqu'à Noël. Bon, forcément, le vendredi, alors je sais plus trop en termes de calendrier comment ça se passe. C'est ça, donc Noël c'est un lundi, le 24 c'est un dimanche. Donc en gros, moi je parle. Voilà, ouais, en fait, je pars le 22 au soir, je crois. Ou peut-être le 23 au matin, on verra comment ça se passe. Donc, peut-être que le 22, il n'y aura pas de live. Le 29, je ne serai pas chez moi, donc c'est mort. Donc voilà, déjà, de toute façon, entre tour de Noël et Nouvel An, c'est pas la peine d'attendre un live. Il n'y en aura pas. Voilà, peut-être que à mon avis, la semaine prochaine, il faut vraiment que je me bouge. En gros, faut que les services les plus importants, ils aient bougé sur la nouvelle machine d'ici là. Et pour le coup, là, on se penchera peut-être vraiment sur... Honnêtement, là, ce soir, je pense qu'on va faire un live. Ça va être... Honnêtement, je m'attendais à galérer beaucoup plus avec l'histoire du réseau. Même à ce que ça me pète à la gueule ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai fait le backup juste avant. C'est passé nickel, donc bon, bah tant mieux, hein. Pour une fois que ça se passe bien du premier coup, d'habitude, c'est tout le concept du live, hein, zéro. Faudra quand même que je me penche à un moment donné sur cette histoire de token API qui passe pas bien avec la séparation des privilèges, je sais pas trop quoi. Faudra que je me penche sur le sujet, je verrai, j'arriverai peut-être bien. Si le sujet il est toujours ouvert sur le provider, c'est qu'a priori y a toujours des problèmes avec. L'issue date du mois de février. Vous voyez que ça mouline, on arrive, mois de septembre. Là, il y a deux semaines, il dit qu'il a toujours le problème. Donc, voilà, on n'a pas le cul sorti des ronces. Mais ça va se faire, ça s'est passé tout seul.
Donc, ça, c'est quelque chose que je vais régler hors live, là, pour le coup. J'ai vraiment pas envie de. C'est pas sexy à voir. Mais non, on va faire un. Voilà, la semaine prochaine, on fera un vrai cas pratique, double cas pratique. Je prendrai quand même de l'avance, je pense. Enfin, j'essaierai, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'à partir de lundi, je vais devoir retourner tous les jours, moins dans un premier temps, au bureau, je pense. Je vais essayer d'esquiver le vendredi parce que j'ai vraiment pas envie, il faut de toute façon de me taper les transports. Il va quand même falloir que voilà, je vais prendre un peu de temps, je vais préparer la base Ansible. Parce que là, honnêtement, en fait, dans le dépôt Terraform, enfin dans le dépôt Git, si je le retrouve, non, bon, ok. Mais ta gueule. En fait, j'ai un bout d'Ansible, sauf que dans les rôles, si je vais, par exemple, il y a un lamp stack, et en fait, si je prends le. J'ai juste un task, et dans le task, en fait, on voit, c'est apt, deux points, slash, slash, et a priori, en gros, j'ai l'impression que j'ai fait un copier-coller d'un vieux truc que j'avais fait il y a longtemps, ne serait-ce que pour avoir les noms des packages. Et donc, l'idée, bah, ça va être de réécrire tout ça. Pour avoir un rôle Ansible prêt pour le déploiement de la bécane. Mais du coup, il va falloir qu'on regarde un peu, parce que les noms des packages, je vous jure que ça va pas être trivial. Il va y en avoir pour un moment. Parce que entre Debian et le monde, enfin, entre le monde Debian et le monde Red Hat, ils sont pas foutus de nommer les paquets de la même façon. Bon, là, typiquement, on va utiliser du Nginx, ce sera le même. Sur comment? Mais par exemple, Apache, bah, chez Debian, c'est Apache 2. Ok, pourquoi pas. Vous allez sur Red Hat, il s'appelle HTTPD. Voilà. C'est le même, hein. Bon, un peu de choses près, c'est pas forcément exactement les mêmes versions à chaque fois, mais l'idée c'est que voilà, le truc s'appelle HTTPD. Alors ça c'est historique, hein, me demandez pas pourquoi, mais j'ai pas été creusé plus que ça, mais voilà. Et en fait, ce genre de délire avec des noms de package qui sont pas équivalents, eh ben vous en avez plein. On va avoir le délire avec PHP d'ailleurs, parce que installer plusieurs PHP en parallèle. Va impliquer que les noms des paquets seront différents. Comme là, c'était un dépôt qui était fait par un mainteneur qui s'occupe du packaging PHP dans Debian. Déjà de base, il propose en plus ses dépôts à côté pour des versions de PHP en parallèle de la version qui est fournie par défaut dans Debian. Et le gars propose même une version payante de PHP qui sont plus maintenues pour les entreprises qui n'ont pas envie de faire leur boulot comme il faut. Bon, bref. Mais du coup, sur Red Hat, eh ben on va passer par des méthodes différentes. Alors on va avoir le choix d'utiliser, je crois, déjà de base, on peut avoir plusieurs versions avec les modules qui sont fournis par la distrib. On va aussi avoir les dépôts qui sont fournis par un mec qui s'appelle Rémi Collet, qui participe au développement de PHP lui-même. Donc, et qui du coup fait profiter à toute la communauté. De ce qu'il crée pour pouvoir tester toutes les versions parallèles de PHP, notamment dans le monde Red Hat. Voilà, on va pouvoir se faire zizir avec tout ça, et en espérant qu'on arrive au bout de la démarche. Allez, on va dire au moins pour le blog, par exemple. Après les autres, j'ai pas forcément le. L'objectif, ça va être de migrer le blog. Sachant qu'en plus, le blog, il a une autre dépendance qui est le Redis. Donc, il faudra qu'on s'occupe de Redis. Parce que lui, pour le coup, il n'a pas bougé non plus. Mais voilà, on fera un vrai cas pratique de réinstallation et de migration de site, finalement. Qui est une des premières grosses opérations que j'ai eu à faire en dehors de. Honnêtement, dans mes toutes premières années d'admin système pro. 2015, ouais, 2015-2016, comme ça.
J'avais, bah, du coup, j'avais déjà bricolé un peu avant, hein. J'avais même eu l'occasion de partager ça sur le blog à l'époque où j'étais passé de Apache à Nginx, justement. Donc il avait fallu bricoler pas mal, où j'avais partagé, je crois, comment configurer Apache pour utiliser du PHP FPM. Comme ça, une fois qu'on avait extrait le PHP d'Apache, on pouvait passer plus facilement à Nginx. Voilà, ce genre de choses. Et ça, je crois que je l'avais fait avant de commencer à travailler chez LeanMyNet à l'époque. Donc ouais, je pense que le prochain, on va s'attaquer à ce sujet-là. À faire un petit peu d'Ansible, ça nous changera un peu. On n'a pas encore vu Ansible ici sur ce live. Déjà, Terraform, c'était très sporadique et je me suis pas attardé sur la configuration plus que ça. L'idée, c'était que ça fonctionne. Mais comment? Mais là, on va voir ça un peu plus en détail. Après. Mais il faut vraiment que je réécrive tout. On va voir à quel point, pour le coup, la doc d'Ansible, pour moi, est quand même bien meilleure comparée à un Terraform. Enfin, encore que la doc de Terraform, c'est surtout la doc des providers qui peut poser problème. Donc voilà, mais du coup on va s'occuper un petit peu de ça. Je pense aussi sortir, peut-être sortir. Et j'ai même pas. Regardez. Vous savez quoi? Ah ouais, c'est affreux. Le premier article du blog, il était, je crois, en septembre 2013. Si je dis pas de bêtises, septembre 2013. J'ai même pas fêté les 10 ans du blog. C'est con, hein? C'est complètement con. Donc faudrait peut-être que je fasse une sorte de billet bilan, je vais peut-être commencer à écrire ça. Là, j'en ai quand même écrit des trucs. Mon Dieu, je parlais de Windows à l'époque. Oh mon Dieu. C'était il y a 10 ans. Ouais, je confirme aussi, ouais. Bon, on va arrêter de se faire mal. Hein. On va arrêter de se faire mal. Voilà. Bref, donc de toute façon, voilà. Mais de toute façon, en plus, mettre à jour la VM, après, derrière, c'est pareil. C'est un peu comme la mise à jour du Proxmox, la remise à plat du Kubernetes, etc. Ça va nous ouvrir des possibilités d'expérimenter différentes installations. Et pas forcément en conteneurisation ou en quoi que ce soit. Je suis au Canada, mais exceptionnellement en France en ce moment, alors j'en profite pour te dire que je suis pas mal ce que tu fais, que c'est super cool. Merci beaucoup, désolé, c'est un peu petit de mon côté. LIEF 8600, d'accord. En plus, en même temps, je commence à voir un légèrement flou, je suis un peu claqué. Comment? Merci beaucoup, ça fait très plaisir. En vrai, oui, alors c'est sûr que 21h. Après, Canada, du coup, si t'es francophone, donc ça va être plutôt côté Québec, en fait, j'imagine. Donc on est à quoi? 6 heures de décalage? Ouais, c'est ça, 5 ou 6 heures de décalage. Ce qui veut dire qu'en temps normal, quand tu regardes à 21h, 21 moins 6, ouais, ça fait 15 heures. Oui, c'est encore le milieu de l'après-midi, je comprends que ça peut être un peu plus difficile à suivre. Ouais, voilà. Alors après, c'est le vendredi. Normalement, le vendredi après-midi, c'est un peu plus cool. Ça peut se suivre au boulot. Alors, ça dépend ce qu'on fait aussi, ça dépend avec qui on est, ça dépend. Je peux comprendre. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé de me mettre. À partir du moment où. Bah, surtout avec le télétravail, où voilà, t'es déjà pas distrait autour, je me permets de. Comment? Je me permets de mettre parfois, alors peut-être pas des lives, mais ça va être souvent. Alors soit c'est des replays de jeux vidéo, mais qui étaient faits en live au départ, soit bah ça va être des vidéos qui font partie de ma veille. Genre typiquement, bon là j'en ai deux de retard, parce que bon la semaine dernière de toute façon, et encore il y en a une qui est sortie là, mais la série que Xafi a commencé par exemple. Sur Victoria Matrix, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là aussi. Pas forcément pour implémenter,
mais pour me tenir au courant de comment ça fonctionne et de voilà, le jour où j'ai besoin. Comme énormément de sujets, je regarde de loin, ça existe, je vois de loin en théorie ce que ça fait, et le jour où on vient de poser la question, tu dis, bah il y a peut-être ça qui peut convenir parce que je sais que ça marche comme ça. J'ai pas forcément expérimenté à chaque fois, mais du coup ça te permet d'avoir mentalement une espèce de, on va dire, de catalogue de produits comme ça, où t'as pas besoin de commencer à faire une recherche Google pour savoir quel est l'outil qui ressortirait. T'as déjà un début d'idée. Et après tu peux commencer à creuser le sujet. Mais voilà. Donc ouais, je peux faire ça comme ça, ou je. Tu peux. Après, voilà, ça dépend ce que tu fais. Évidemment, si t'es en pleine réunion. Non. Ou alors, faut vraiment que la réunion soit chiante à mourir et qu'en fait tu serves quasiment à rien dedans et que tu sois juste là pour faire acte de présence. Après, quand c'est physique au bureau, c'est juste pas possible, je sais, hein, j'ai connu. Je vais peut-être même reconnaître dans pas longtemps, je le sens malheureusement très fort, ça, mais. Et du coup, donc ouais, voilà, il y a moyen, hein, si tu veux. Après. Voilà, je m'assure, demain on migre toute la prod sur Azure. Toutes mes condoléances. J'y peux rien, hein, j'ai du mal avec Azure. Alors pourtant, il y a plein de trucs qui marchent, hein, je le sais, hein, j'ai pratiqué assez souvent. Mais toutes mes condoléances quand même. Il y a quand même des trucs, plein de choses qui me plaisent pas dans Azure. Pas forcément que parce que ça marchait pas, mais. Mais voilà, après, bon. Sur la partie OpenShift, ils ont un truc clé en main pour déployer de l'OpenShift sur Azure maintenant? Ou c'est juste, vous avez déployé des OpenShift à la mano? Je sais que j'ai un client qui a fait ça, c'était une catastrophe. Il faisait les patchings de la backend complètement. Azure Red Hat OpenShift. Ah oui, d'accord! Ok. Oh là là. Bah tant mieux, hein, parce que honnêtement, hein, gérer un OpenShift à la main, je sais que les collègues, ils le font bah, justement avec notre plateforme OpenShift interne. Enfin, alors non, je dis notre. Depuis hier soir, c'est plus la mienne, puisque je fais plus partie de l'entreprise, mais donc la plateforme OpenShift interne, c'est une tannée à gérer, hein, avec tout le déploiement via Ansible, etc. Ah, la base de l'OS encore, ça va, mais déployer le truc, ça a toujours été pénible. Donc là, le fait de le déployer directement. Après, c'est juste du déploiement simplifié, ou ça c'est un peu comme AKS, où en fait ça abstrait certains éléments bah, liés au control plane, par exemple. Cluster public-privé hautement disponible, complètement managé, ouais, c'est ça. Ah ouais! Ah ouais, ça doit changer la vie, ça. Après, c'est du Red Hat OpenShift. Oh, ça doit pas être donné. Hein. Bah, en gros, faut, à moins d'avoir vraiment l'envie ou le besoin de toutes les intégrations qui sont déjà existantes dans OpenShift, ouais, typiquement la partie CI/CD intégrée, qui parfois est même quasiment nécessaire, parce qu'honnêtement, la boîte a les pépettes. Ah oui, non mais. Tu sais, moi je travaillais avec des clients qui avaient les pépettes aussi, hein. Mais même m'économiser 100 balles par mois, dès qu'ils pouvaient le faire, ils le faisaient, hein. C'est. Ah oui, non, non, ils se gênaient pas pour ça. Non, non, mais c'est. Comment? Non, mais voilà, c'est à gabarit de bécane égal par rapport à un service AKS, où au mieux la partie SLA est facturée 70 balles par mois. J'imagine que les licences, avec les licences Red Hat OpenShift, c'est pas la même salade, quoi. Mais le fait est qu'il y a énormément de choses, que ce soit sur la sécurité, déjà renforcée de base, parce que c'est vrai que sur un Kubernetes par défaut, c'est très ouvert, même encore en 2023. Après, il y a énormément de mécanismes intégrés à Kubernetes qui existent, enfin, il y a beaucoup de mécanismes intégrés pour essayer de renforcer un peu la sécu, mais qui sont directement intégrés de base dans OpenShift. Et qui intègre aussi du coup, ça je me souviens, la première fois que j'ai touché à OpenShift, c'était un workshop de 2 jours,
Et en gros, c'est pas compliqué. Par défaut, tu déploies pas une image qui vient du Docker Hub. Surtout par exemple, ça reste un environnement Kubernetes, c'est d'abord pour exposer des applications un peu en mode web. On a tenté de démarrer un Nginx de base, le truc voulait pas démarrer, comme ça c'était fait. Il fallait refaire compiler l'image par OpenShift pour qu'il intègre les modifications pour que le Nginx accepte de démarrer, donc c'est-à-dire passer en mode full rootless avec le pod, etc. Mais voilà. Donc, je regarderai la rediff. Ouais, bah voilà, c'est ça. De toute façon, au pire, si tu peux pas regarder en direct, c'est pas grave. Le fait est qu'effectivement, la plupart du temps, j'arrive à poster les rediffs. Alors, j'ai vu un truc, c'est que sur Twitch, il va falloir que je fasse de la vignette. Parce que, contrairement à YouTube, où tu peux choisir 3 ou 4 morceaux différents dans le truc. Mais, bonne soirée, hein. À plus tard, merci, c'est cool. Donc ouais, les vignettes sur YouTube, il prend différents morceaux de la vidéo et il vous les poste. Sur Twitch, il prend le début de la vidéo et basta. Ce qui fait que du coup, maintenant que je mets toutes les vidéos en temps fort sur Twitch, ben en fait toutes les vidéos, elles ont la même vignette, ce qui est un peu dégueulasse. En fait, faut que je me trouve un truc pour faire des vignettes un peu simplifiées, parce que honnêtement, tout faire avec GIMP, ça va me casser les burnes très vite. Ou alors, j'arrive à me faire une installation et on va demander à Stable Diffusion de me faire des vignettes, je ne sais pas. Un autre truc qu'on pourrait tenter en live. Ou là, par rapport à la carte graphique, je sais pas comment ça va se passer par rapport à l'encodage en parallèle, même si normalement, je suis censé avoir la patate pour jouer, hein. Je devrais avoir la patate pour pouvoir faire de la génération d'images. J'ai quand même pas claqué 900 balles dans la carte graphique pour passer à côté de ce truc-là. Sauf que c'est une AMD. typiquement, par exemple, j'ai vu passer un truc cette semaine où Mozilla proposait un outil pour faire de la compilation clé en main d'un modèle de langage. C'est pas pour la génération d'images, mais c'est pour un modèle de langage qui peut aussi avoir besoin de pas mal de puissance de calcul qui peut être accéléré par une carte graphique. Et donc c'est le truc, c'est Mozilla Oliama, je crois. Ah non, ok, d'accord, c'est pas Mozilla. Non, ça c'est Oliama, donc non, c'est pas attends. C'est quoi le truc, Mozilla? Lia ma faille, pardon, autant pour moi, ok. De toute façon, tout est dérivé. Et ces noms-là, c'est tout est dérivé de Llama. Le truc Llama, c'est le projet, le premier modèle de langage qu'a publié Meta, donc Facebook en open source. Et il y a énormément de travaux qui ont été dérivés de ce qu'a publié Meta. Ça doit remonter déjà à l'année dernière, je sais plus. Ouais, voilà, peu de choses près. Et donc en gros ils disent voilà, coucou, vous pouvez le packager pour votre CPU, puis après vous pouvez packager pour GPU support, puis après bah, derrière, sinon c'est en fait, c'est juste Apple Silicon si on a Xcode d'installer, ok, pourquoi pas, et après c'est sous Linux, Nvidia, et voilà, et donc si vous n'avez pas du Nvidia, et bah, vous l'avez encore dans le fion, comme 80-90% des outils que vous allez trouver, des outils et des modèles que vous allez trouver dans la nature, même en open source, tout repose sur Nvidia CUDA, et donc en fait, c'est juste pénible. C'est juste pénible. Mais il faut dire que AMD, de son côté, n'aide pas non plus. C'est-à-dire que par exemple, par défaut, ils veulent passer par leur propre. Alors non, je sais pas pourquoi je fais ça. Ils veulent passer par leur propre plateforme qui s'appelle ROCm. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est une marque, mais qui est censée supporter. Sauf que ce truc-là, par défaut, en fait, la plupart du temps, enfin même la majorité du support de ce logiciel-là, qui est censé aider pour intégrer justement des outils d'intelligence artificielle, la preuve, hein, c'est écrit dessus. En fait, ça supporte pas les cartes graphiques grand public. Alors, ou en tout cas de manière particulièrement sporadique. Et là, typiquement, ils viennent enfin seulement d'ajouter le support pour les Radeon 7900. Alors d'abord XTX, et là, ils viennent là tout récemment, ça doit dater de fin de semaine, là, dernière, un truc comme ça, la Radeon 7900 XT, donc celle que j'ai.
Mais toutes les autres, déjà, qui est de la génération, toutes les autres, oui, parce que maintenant, on a les 7006, les 7007, les 7008 quand même. Donc, on commence maintenant à avoir une gamme de Radeon 7000 complète. Mais tout ça, c'est pas supporté. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous en servir. Alors que chez Nvidia, c'est full open bar. Et chez Intel aussi. Bon, Intel, de toute façon, la gamme, elle est quand même pas puissante de base, mais et c'est pas encore ultra développé, même si au niveau logiciel, ils font énormément de trucs chez Intel, avec, c'est quoi, c'est la One API, ou un truc comme ça qu'ils appellent ça. Et donc, ça progresse doucement, mais sauf que bah, c'est toujours pas intégré. Tous les outils et tous les développeurs, par défaut, c'est PyTorch, Nvidia. Ok, allez, au revoir. C'est juste pénible. C'est juste pénible. Mais ça progresse, ça progresse. Après, il y en a quand même qui arrivent à rip-off des trucs en passant notamment sous Windows avec DirectML. Donc, c'est DirectML, pour ceux qui connaissent pas. Ça fait partie de DirectX 12. C'est le gros framework de bibliothèque de Microsoft. Historiquement, très orienté jeu, mais pas que. Et DirectML, c'est Direct Machine Learning. Donc, c'est une partie de la bibliothèque qui est censée pouvoir abstraire l'accélération sur la carte graphique d'opérations liées au machine learning, et donc de l'IA. IA, c'est très très large, hein, c'est affreux. Et en plus, ces derniers mois, ça a été phagocyté par ChatGPT, donc on n'entend plus parler que de modèles de langage, donc les chercheurs qui bossent depuis 10 ans sur d'autres modèles, je peux dire qu'ils ont un peu là. Hein. Donc voilà. Et donc ouais, donc c'est toujours un peu la galère pour l'instant quand on n'a pas une carte Nvidia de pouvoir faire des trucs d'intelligence artificielle, mais bon, c'est quelque chose que bah, peut-être qu'on retentera. Mais ça, on fera peut-être ça début d'année prochaine, je pense. Là, pour la fin de l'année, on va quand même encore faire voilà, un peu d'infra, un peu d'OS, un peu de migration de site web. J'ai refait mon installation de drone. Donc c'était quand qu'on avait fait ça? Contenu de la chaîne. Tableau de bord de la chaîne. Ouais, bon. On peut y aller comme ça, de toute façon. Hop, voilà. Pitié. Ta gueule. Ah oui, parce que maintenant il y a les shorts. Voilà. Tac. Quand est-ce qu'on a parlé de drone? Drone, c'était quand? C'était le mois de septembre, donc il y a 2 mois. 5 septembre, quasiment 3 mois. Ça passe tellement vite, bordel. Donc il y a 3 mois, on avait parlé de drone. J'ai refait l'installation il y a quoi? Il y a 10 jours? Un truc comme ça, peu de choses près? Ouais. Donc l'installation est prête, donc là on va peut-être pouvoir attaquer la prochaine étape qui est de commencer à construire des images, notamment pour ARM, directement à l'intérieur de Cube. Donc on va voir comment on peut faire ça, comment on peut envisager ça, on va voir ça. On a différentes solutions normalement, on va voir comment on procède. Différentes options, tenter peut-être du Canico, sinon tenter un truc un peu plus artisanal à base d'un outil qui s'installe dans du Alpine Linux, donc on construira peut-être une image Alpine qui permettra de pouvoir faire le boulot derrière. Et après on utilisera cette image-là dans nos pipelines drones pour construire les images. Par contre j'ai voulu me pencher sur le cas de... j'ai voulu me pencher sur le cas des images fraîches RSS, j'en reparlerai, mais c'est un foutoir. J'avais découvert pour déployer FreshRSS qu'il fallait des tags dédiés pour les images, notamment ARM. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, ils viennent seulement de commencer à intégrer le multi-arch dans l'image. Mais seulement Edge, donc ça c'est de l'instable, j'ai vraiment pas envie d'y toucher. Mais en fait, du coup, les images stables, pour l'instant, il les build encore en 32 bits, en fait, même pas en 64 bits. Voilà. Alors, il y a une issue sur le dépôt GitHub, je vais pas refaire l'historique complet, parce que l'issue, elle dure depuis un moment. Mais un des développeurs explique que c'est en partie bah, lié justement au setup qu'ils ont mis en place un peu bricolé, pour pouvoir compiler une image ARM,
Mais c'était lié aussi par rapport à ce que proposait, à la base, ils utilisaient les infras de Docker pour builder les images. Et apparemment, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, parce que je les connais pas, j'ai pas de compte, donc je peux pas juger. On pouvait pas faire de multi-arch où ils avaient pas compris ou pas trouvé comment faire en buildant directement avec les outils du Docker Hub. Et donc du coup, ils bricolaient, ils avaient une version différente avec des tags différents, mais du coup, ça bricolait, ça buildait qu'en 32 bits. Donc là, ils ont maintenant bientôt une image 64 bits pour ARM. Alors honnêtement, hein, j'ai fait la mise à jour du Fresh RSS, c'est quand? Mardi soir? Ouais, mardi soir, j'ai remis à plat parce que j'avais deux releases de retard. J'ai pas fait gaffe. J'ai deux releases de Fresh RSS de retard, donc j'ai mis à jour. La dernière version, ils l'ont passée du coup avec du Debian 12 et du PHP 8. PHP 8, 8.1 ou 8.2, je sais plus. Ça pulse, hein. La montée en puissance, la montée en rapidité avec PHP 8, elle est quand même assez énervée. Donc du coup, ça sera intéressant à avoir pour nous aussi, y compris pour d'autres applications qu'on déploiera dans le futur. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc on va vraiment avoir un panel de possibilités et de support d'installation pour tester plein de trucs dans le futur. Ce qui me plaît bien. Y compris pour les trucs les plus débiles qu'on va faire. Parce qu'honnêtement, là, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a quand même pas mal. Alors, typiquement, pour le Nextcloud, on a suivi le script d'install. Pour le Vault Warden, j'ai pris le chart Helm comme un flemmard. Et il y a peut-être un moment donné où on essaiera de faire des trucs un peu plus débiles, du style. Ok, le logiciel, il est fourni que sous Docker, ben on va regarder comment faire sans du Docker. À une époque, par exemple, bah, quand j'en ai peut-être déjà parlé, mais peut-être pas en live, quand j'avais testé l'exporteur pour la Freebox, donc c'est un. Je sais pas s'il existe encore, il doit être encore maintenu en plus. Hein. En gros, c'était un petit exporteur qui permettait d'aller récupérer des métriques de la Freebox. Ok, a priori, il a toujours un peu de maintenance, donc ça c'est cool. Donc pour balancer les métriques de la Freebox directement dans un Prometheus. Voilà, tout simplement. Sauf que ce truc-là, à l'époque. Alors il n'y a pas de release. Bon, ça c'est un peu pénible. Mais du coup. Alors maintenant, il est en. Pardon. Il est disponible en tant que module Go, donc ça c'est cool. Il y a moyen de le faire en Golang. Donc depuis 1.16. Ok. À l'époque où moi je l'avais testé, ça n'existait pas. Et la seule façon dont il était fourni, c'était une image Docker. Et je voulais pas utiliser l'image Docker à l'époque. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même récupéré l'image Docker. J'avais extrait le binaire, comme c'était du Go. On pouvait le faire. J'avais extrait le binaire et je l'avais foutu sur ma machine qui me sert de rebond SSH pour pouvoir envoyer dans le Prometheus qui était installé à côté. J'ai pas gardé ce truc-là, puis de toute façon, j'ai plus de Livebox maintenant. Enfin, si. J'ai toujours la Livebox, mais elle est rangée dans le canapé. Je la ressortirai que si j'ai besoin. Enfin, faudrait que je teste un peu de temps en temps, mais bon. Donc voilà. Comment dire? C'est le genre de truc qu'on pourra faire si jamais le mode d'installation nous plaît pas. On pourra refaire plein de trucs. Donc voilà, donc sur ce, allez, on va arrêter là, 22h40, ouais. Allez, on a fait un bon truc, ça s'est bien passé. On est prêt pour la suite. Donc, la semaine prochaine, du coup, comme j'ai dit, bah on va. Je vais quand même préparer un petit peu le boulot, le squelette, et on fera l'application de Ansible pour la machine Red Hat, enfin Rocky Linux, au niveau de. Pour pouvoir installer le nécessaire pour migrer le blog. L'objectif, ce sera quand même de migrer le blog dans les 2 heures. Ça devrait tenir normalement. Hein, parce que le blog n'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est un gros rsync à faire d'un seul dossier. L'IP, ça pointe déjà sur l'IP de. Alors, on pourra peut-être repasser en trafic local, parce que là, ça passe par l'IPv6 entre les deux machines virtuelles, mais
Petit changement de configuration, ce sera pas la mort. Pareil pour le Redis. Le Redis, on va le déplacer aussi. De toute façon, il sert que pour le blog. Donc, non, j'ai des conneries. Je dois avoir un plugin pour Matomo aussi. Pour le Redis. Qui permettait de faire de décorréler et de faire de la synchrone sur le. Pour pas bloquer les clients. Donc ouais, je. Voilà, on va. L'objectif, ce sera de migrer le blog la semaine prochaine. Avec l'installation préalable de toutes les dépendances. Et une fois que ce sera fait, moi je pourrais migrer le reste. Bon, j'aurais pas forcément besoin de tout faire en live. Et les trucs qui vont être le plus chiant, ça va être la partie. Alors je vais quand même tenter de mettre à jour le Mumble. Plutôt que de le réinstaller. Parce que la base de données, encore que. Ah, je sais plus. Parce que j'avais perdu le mot de passe d'admin, je crois qu'il y a moyen de le réinitialiser, il faudrait que je reprenne la doc. Parce qu'au départ j'ai perdu le mot de passe d'admin du Mumble, alors du coup, je continue de me connecter dessus, mais je sais plus l'administrer, c'est un bonheur. Hein. Et puis il faut que je fasse attention, parce que cette fois il est installé par. Il va être installé en paquet. Gratte l'oreille. Il va être installé en paquet et pas. Là, moi, c'est la version binaire statique, mais ils ont arrêté de faire des binaires statiques, ce qui m'emmerde un peu parce que c'était bien, c'était minimaliste, on pouvait en faire éventuellement une petite image Docker sympatoche. Donc là, voilà, il faudra qu'on. Le Mumble, ce sera peut-être un sujet à part complet parce qu'à un moment donné, je m'étais posé la question de pas le garder sur le serveur. Et de le déployer chez moi, éventuellement de tester de le déployer dans Kubernetes. Et c'est peut-être un truc qu'on fera aussi pour montrer un petit peu les différentes topologies d'installation qu'on peut avoir. Ce qui va nous demander de faire de l'UDP dans mon cluster. Ça, je sais pas si c'est configuré encore. Donc il faudra qu'on regarde ce qui nous manque pour faire de l'UDP comme il faut. Et pouvoir correctement travailler. Travailler ou accéder à Mumble depuis l'extérieur sur mon cluster. Voilà, voilà. Sur ce, merci beaucoup à ceux qui sont passés. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Le replay, et on va dire courant du week-end, je sais pas encore quand exactement, courant du week-end. Et sinon, n'hésitez pas à me fouetter sur. Ah, il faudrait que j'aille un peu plus, ça fait un moment là que j'ai pas été voir le compte Blue Sky. Honnêtement, complètement à l'abandon, je dois avoir 1 milliard de codes à partager, ça va être infernal, faudrait que je me remette un peu là-dessus. Je sais pas trop où ça en est, mais sinon ouais, faut être moi sur Twitter, voilà. Et puis on se dit donc voilà, à plus tard sur internet, ciao. Clique.